Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner 7 raisons de démarrer votre blog cette semaine. Alors peut-être que vous hésitez à vous lancer dans l'entrepreneuriat en ligne, peut-être que vous voulez valider votre idée, peut-être que vous voulez verrouiller votre succès. Le problème avec cette approche qui est, je suis d'accord, nécessaire, c'est que vous allez probablement tomber dans un cercle de procrastination et vous risquez de devenir un collecteur d'informations, un collectionneur, c'est-à-dire quelqu'un qui va empiler les informations encore et encore et qui, dans 6 mois, dans 1 an, n'aura toujours pas sauté le pas et n'aura toujours pas créé son blog. Alors, je suis d'accord avec vous, il y a un certain nombre de questions à se poser pour maximiser la réussite de son blog et on va en parler dans cette vidéo. Mais avant de vous donner ces questions à vous poser, je vais vous donner déjà des bonnes raisons de vous lancer au plus vite. La première raison, c'est que lorsque vous l'aurez fait, vous allez regretter de ne pas l'avoir fait plus tôt. Et pour ceci, je vais partager avec vous mon point de vue personnel. Je vis à 100% de mes blogs depuis 2013, mais j'avais commencé à le faire en mode amateur plusieurs années auparavant. Et avant 2013, j'étais salarié, je travaillais dans l'industrie. Et bien sûr, j'étais tombé dans un espèce de confort. Mon salaire tombe, je vis confortablement. Pourquoi est-ce que j'irais prendre des risques alors que j'ai mon loyer à payer, mes crédits, mes factures? Et en 2013, quand j'ai perdu mon emploi et que j'ai vraiment essayé de monétiser mes sites et que ça a fonctionné, eh bien, ma vie a profondément changé puisque je suis devenu indépendant, entrepreneur en ligne, sans patron, à pouvoir travailler de chez moi avec une simple connexion Internet. Et la question que les gens commençaient à me poser quand ils discutaient avec moi d'entrepreneuriat en ligne, c'est si tu devais le refaire, qu'est-ce que tu ferais différemment? C'est une question qu'on me pose régulièrement lorsqu'on m'interview. Et d'ailleurs, si vous cherchez sur Internet, vous pourrez trouver plusieurs interviews dans lesquelles on me pose ce genre de questions. La réponse que je donne toujours, c'est si j'avais su, je l'aurais fait plus tôt. Si j'avais su, je l'aurais fait plus tôt. J'étais moi aussi tombé dans un espèce d'excès de collection d'informations pour être certain de ne pas me tromper. Mais en réalité, oui, les informations, vous en avez besoin, mais vous avez aussi besoin de vous lancer et d'expérimenter. C'est un peu comme apprendre à conduire une voiture. Vous pouvez, quand vous êtes enfant, observer vos parents. N'empêche que si vous voulez vraiment apprendre à conduire une voiture, à un moment donné, il va falloir prendre le volant en main, passer la première et commencer à circuler sur les routes. Alors oui, vous aurez besoin d'aide, vous aurez besoin d'un moniteur qui vous guide, mais c'est de cette façon que vous allez apprendre. On apprend beaucoup plus en exécutant qu'en observant. La deuxième raison qui fait que vous devriez lancer votre blog maintenant, c'est que vous ferez des erreurs quel que soit votre niveau. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas se lancer parce qu'ils ont peur de se tromper. Moi, je fais ce métier à 100% depuis plus de 7 ans maintenant. Je fais encore des erreurs, je fais des tests, j'essaye des choses, parfois ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque erreur, en fait, vous génère une connaissance et que ces connaissances, elles se cumulent les unes aux autres. Et plus vous testez des choses, que vous les réussissiez ou que vous les échouez, ce n'est pas vraiment la question. Plus vous testez de choses, plus vous allez construire des avantages par rapport à vos concurrents. Et au fur et à mesure des années, cette pratique, ces échecs, ces réussites, vont vous donner suffisamment d'expérience pour vous imposer dans n'importe quelle thématique. Mais là encore, le seul moyen d'y arriver, c'est de le faire. Le dernier test que j'ai fait sur Traffic Mania, par exemple, c'était de me dire est-ce qu'il faut que je réouvre tout le temps l'intégralité de mon catalogue ou est-ce qu'il faut simplement que je réouvre une formation de temps en temps? Qu'est-ce qui va vendre le plus? Eh bien, j'ai fait le test, ça n'a pas fonctionné, c'est pas grave, ça me donne un enseignement qui me servira maintenant pour toute ma vie. Donc dites-vous bien que vous vous lanciez aujourd'hui, dans 1 mois ou dans 1 an, vous ferez constamment et tout le temps des erreurs et c'est normal. La troisième raison pour laquelle vous devriez lancer votre blog cette semaine, c'est qu'il faut prendre en compte le temps que cela prend de monétiser. Il y a beaucoup de gens sur Internet qui vont vous dire que vous pouvez gagner de l'argent avec un blog en 1 mois, en 2 mois. Ce n'est pas vrai parce que pour gagner de l'argent en ligne, il faut créer une relation avec son audience. Il faut que les gens apprennent à vous découvrir, il faut qu'ils lisent vos contenus, il faut qu'ils se rendent compte que vous êtes crédible, que vous êtes expert, que vous êtes capable de leur amener des méthodologies qui marchent, des conseils. Il faut qu'ils sentent que vous êtes à leur côté. Et construire cette relation, cela se fait au fur et à mesure de la publication de vos articles. En faisant les choses correctement et en suivant les bonnes méthodes, on arrive à monétiser un blog entre 4 et 6 mois. 6 mois, c'est le temps qu'il m'a fallu entre le moment où j'ai lancé Traffic Mania et où je l'ai monétisé et ça m'a rapporté suffisamment pour en vivre. 4 mois, c'est le temps qu'il m'a fallu pour lancer ma chaîne sur le judo jujitsu, avoir du trafic et la monétiser. Donc, même moi, j'ai réussi à optimiser mes processus au fur et à mesure en utilisant des stratégies comme par exemple celle du concours. Et quelle que soit la stratégie que vous utiliserez,
Ne croyez pas que vous allez gagner de l'argent dans un mois, ce n'est pas vrai. Il faut un certain temps pour construire son audience, il faut un certain temps pour installer la confiance, donc vous aurez besoin de 4 à 6 mois. Donc plus vous commencez tôt, plus cette période de monétisation se rapproche. La quatrième raison, c'est que vous lancer est le meilleur moyen de vaincre ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. C'est cette peur que beaucoup de créateurs de contenu ont au début, ils ne se sentent pas assez crédibles, ils ne se sentent pas assez experts pour pouvoir passer un message, pour pouvoir se positionner en tant que professeur, pour pouvoir se positionner en tant que quelqu'un qui va vendre du conseil. Eh bien, je vais vous donner un conseil si vous êtes dans la position du syndrome de l'imposteur. C'est 1. Ne paniquez pas parce que c'est très humain. 2. Vous pouvez vous positionner en tant que débutant enthousiaste. Vous pouvez créer un blog en disant « Voilà, je démarre par exemple en plongée sous-marine, je suis passionné par le sujet et dans ce blog, je vais partager avec vous tous mes progrès, toutes mes réussites et tous mes échecs. » Et ainsi, vous pourrez construire une relation avec l'audience dans le temps et au bout de quelques mois, vous serez en mesure de dire « Bah voilà, ça fait 6 mois que je fais de la plongée sous-marine à fond la caisse, j'ai appris ceci, j'ai appris cela et je vais pouvoir créer une formation pour les débutants afin de vous faire gagner du temps. » Donc le positionnement du débutant enthousiaste est possible, pas forcément besoin d'être expert. Il suffit pour cela de se former tout au long de la vie de son blog. Et enfin, par rapport à la peur de vendre, eh bien, je vais vous dire que si votre produit est utile, bien fait, qu'il aide les gens et qu'il est vendu à un prix raisonnable, vous n'avez pas à hésiter, il faut le vendre. La cinquième raison pour laquelle vous devriez lancer un blog cette semaine, c'est que c'est un challenge et qu'un challenge, c'est toujours quelque chose de positif. Cela va vous motiver le matin, cela va vous donner un objectif, vous allez apprendre de nouvelles compétences, vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Et ça, rien que d'un point de vue personnel, ce sont des choses extrêmement bénéfiques et vous ne devriez pas vous en priver. On a besoin de challenge, quel que soit son âge, que vous ayez 18 ans ou que vous en ayez 70, il n'est jamais trop tard ou trop tôt pour se lancer. La sixième raison pour laquelle vous devriez lancer votre blog, c'est que ça aide les gens et ça en vaut la peine. Et ça, dans n'importe quelle thématique. Sur Traffic Mania, je ne donne pas que des conseils blogging et YouTube. En réalité, j'aide les gens à changer de vie. Il y a des gens qui quittent leur emploi et deviennent entrepreneurs à plein temps. Il y a des gens qui améliorent leurs finances personnelles parce qu'ils arrivent à dégager des revenus complémentaires avec leur vente en ligne. Donc moi, j'ai cette fierté de pouvoir aider des gens. Et quand je reçois des emails de clients qui sont satisfaits et qui me disent « Voilà, grâce à toi, j'ai gagné 500 euros, 5 000 euros, 50 000 euros », je me sens utile et ça me donne la force, l'envie de continuer. C'est extrêmement gratifiant. Mais c'est également valable dans plein d'autres thématiques. J'ai eu pendant quelques années un blog sur le tir sportif. Ça paraît complètement anodin, mais il y a des gens pour qui c'est un loisir, c'est une passion. Et lorsqu'il m'envoyait un petit email en me disant « Bah voilà, grâce à toi, j'ai fini 4e dans le tournoi local alors qu'auparavant, j'y arrivais jamais. Bah écoutez, ça fait tout simplement plaisir parce que quelqu'un a réussi à progresser grâce à vous. C'est extrêmement gratifiant comme sentiment. » Et enfin, la septième raison pour laquelle vous devriez lancer un blog, c'est parce que la formation en ligne explose. Aujourd'hui, les gens qui recherchent une information, la première chose qu'ils font, c'est prendre leur téléphone et poser la question à Google. Et ils vont consulter des articles de blog ou ils vont consulter des vidéos. Alors évidemment, il y a beaucoup de conseils basiques, gratuits sur Internet, mais il y a toujours une partie des gens qui seront prêts à payer une formation qui est complète, qui est de A à Z, qui est qualitative et qui va vraiment les aider. Aujourd'hui, la formation en ligne, c'est un business au niveau mondial qui pèse des dizaines de milliards de dollars. Et vous pouvez avoir votre part de ce gâteau, même dans des thématiques qui semblent incroyables. J'ai gagné ma vie avec un blog sur le tir sportif, alors qu'il n'y a que 20 000 pratiquants en France. Il y a des gens qui gagnent leur vie en expliquant comment est-ce qu'on fait des macros Excel. Il y a des gens qui gagnent leur vie en ligne en expliquant comment est-ce qu'on fait pour confectionner les meubles en bois soi-même. Bref, les possibilités sont quasiment infinies. Et c'est pour cette raison que vous devriez vous lancer. L'économie numérique se développe beaucoup plus vite que l'économie réelle. Et aujourd'hui, avec une simple connexion Internet et un ordinateur d'occasion que vous allez acheter sur le bon coin, vous pouvez vous lancer. C'est une histoire de compétences, c'est une histoire de stratégie, et c'est une histoire de travail. Donc faites-moi plaisir, si vous avez envie de créer votre blog, posez-vous simplement quelques questions. Je vous avais dit en début de vidéo qu'il y avait quelques questions à vous poser. Posez-vous la question de votre expertise. Est-ce que vous avez un niveau suffisant pour donner des conseils aux gens? Si oui, tant mieux. Sinon, formez-vous et positionnez-vous comme le débutant enthousiaste, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. La question qu'il faut également vous poser, c'est est-ce qu'il y a un marché par rapport au message que vous voulez faire passer? Ne vous lancez pas tête baissée dans n'importe quelle thématique. Faites une petite étude de marché sur YouTube, sur Internet, sur les forums. Regardez également le nombre de bouquins qui existent sur Amazon dans votre thématique. Cela vous donnera une idée du potentiel économique.
Et si vous voyez que la concurrence est forte, c'est un très bon signe, ça veut dire que la niche est porteuse. Et si vous vous rendez compte que la concurrence n'est pas trop forte, eh bien c'est également un signe qu'il peut y avoir un potentiel à exploiter, comme ce fut le cas, moi, sur le tir sportif. Et enfin, l'autre question à se poser, c'est de réfléchir dès aujourd'hui aux formations que vous pourriez vendre. Je ne vous dis pas que vous devez trouver le sujet exact et le format exact de votre formation, mais avoir déjà une idée générale. Par exemple, si vous lancez un blog sur le foot, vous pourriez vous dire « je vais créer une formation pour aider les gens à progresser dans leur dribble ». Si vous créez un blog sur la photo, eh bien, vous pouvez très bien vous dire « ok, je créerai des tutoriels pour utiliser Photoshop spécialement sur la partie photographie ». C'est important d'avoir déjà quelques pistes de monétisation, cela évite de se lancer et puis dans quelques mois de vous rendre compte que votre idée n'est pas monétisable. Une fois que vous vous êtes posé ces questions, lancez-vous. Vous trouverez sur Traffic Mania un article pour vous aider à trouver le nom de votre blog. Vous trouverez sur Traffic Mania également un article qui va vous montrer comment créer votre blog. Et en vous inscrivant à la newsletter, vous recevrez une formation trafic gratuite. Le lien est juste en dessous, c'est à vous. Je vais conclure avec tous mes encouragements en vous disant également que vous pouvez vous abonner à cette chaîne si vous voulez recevoir d'autres conseils qualitatifs. Tous mes vœux de succès, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à mon support email. Un grand merci et à bientôt sur Traffic Mania. Ciao.